pour Purkiser. Trois Villeurbanne contre un seul joueur de Vienne. Deux points de plus par Purkiser. Purkiser qui a été très adroit à mi-distance en première mi-temps. Ah, patience! Donc les champions d'Autriche reviennent un petit peu. Mais c'est normal, les Villeurbanne ont besoin de récupérer. Après la première mi-temps qu'ils ont faite, deux points de plus par Purkiser. Et en seconde mi-temps, on retrouve Leskova, qui n'avait pas très bien joué en première. Encore Purkiser. L'espinasse pour Purkiser qui est tout seul, et voilà. Durand, 14 points d'avance pour Villeurbanne. Ah, pas de chance. Bien sûr, le panier ne compte pas. Il faut que Villeurbanne, comme en première mi-temps, prenne les Autrichiens de vitesse. Et alors là, ils sont irrésistibles. Deux points de plus par Purkiser, l'Américain. Oh, Gilles fait un festival de dribble. Il mystifie son adversaire. Durand pour Purkiser. Oh, pas de chance, décidément. C'était 30 secondes à jouer. Et Villeurbanne, pour l'instant, est qualifié à 17 points. Dupresse, 19 points. Vous avez vu comme Dupresse a récupéré cette balle. Contre-attaque rapide, comme d'habitude, de Villeurbanne, Purkiser. Deux points de plus. Ah, cette fois-ci, pas de réussite. Contre-attaque par Purkiser. Encore un exploit technique de Purkiser à la gym. Durand, Purkiser. Ah, il tire un peu trop tôt, la Purkiser, mais il provoque la faute. Espinas qui a eu la balle sur Carlos. Durand, Purkiser. Le numéro 15 qui a marqué 18 points en première mi-temps. Purkiser, à quoi ? Et je pense que maintenant Villeurbanne devrait accélérer la cadence et vraiment faire le trou. Espinas. Purkiser, le plus adroit des Villeurbanne en première mi-temps. Alain Gilles, à le rythme est bien plus rapide maintenant qu'il y a Alain Gilles. Purkiser. Purkiser, le premier sur la balle. Alain Gilles. Et deux points pour Alain Gilles. Et bien les Portugais petit à petit reviennent. 56 à 44, 12 points d'avance seulement pour Villeurbanne. Purkiser. Et pourtant, les Villeurbanne qui... Ah, c'est dommage. Je joue sans arbitre, mais pour l'instant, je trouve que les arbitres sont très bons. Purkiser. Villeurbanne avait gagné de 5 points à Lisbonne, et dans sa salle, Villeurbanne ne fait pas mieux pour l'instant. C'est assez curieux. Purkiser. Purkiser. Purkiser, égalité. Qui est toujours en tête. Berck ou même Le Mans. Purkiser, de très loin. L'Espinas, à la récupération Purkiser. Je vous le rappelle, Antibes avait gagné à Villeurbanne, mais Villeurbanne avait gagné à Antibes. Purkiser. C'est Gilles qui a Purkiser à sa gauche. Très bien joué là de la part d'Alain Gilles. Purkiser. Pas de lancer franc. C'est remise en jeu à la touche. Mais Purkiser a marqué donc. Cela revient au même. L'Espinas et Durand. Purkiser. Voilà, Purkiser récupère et marque. 13 points d'avance pour Antibes. Purkiser. Mais les Villeurbanne, Purkiser, ne s'avoue pas vaincu. Déchaîné Antibes. Mais Gilles était derrière, Purkiser tout seul. Purkiser marque. C'est un dimanche après-midi et le match est télévisé en direct. Purkiser. Déjà trois paniers. Lee. Nettement à côté là. Purkiser. Allez, Villeurbanne sont très rapides. Vous voyez la technique de Purkiser qui a démarqué Dupresse. C'est très bien. Interception par Dupresse. Et ça va très vite. Purkiser. On passe par derrière pour Dupresse. Purkiser. Évidemment. Purkiser. Il a raté 8 tirs sur 8. Purkiser. Ah, il ne faut pas faire de faute contre Villeurbanne. Hein. Ça ne pardonne pas. Mais la balle au Villeurbanne cette fois-ci. Purkiser. Regardez Oduro. Comme il marque Purkiser de très près.
Récupération de Pürkiser. Voilà, quand c'est pas Gilles, c'est Pürkiser qui marque. Pürkiser, toujours marqué par Oduro. Et vous avez vu comment Durand a démarqué Pürkiser. Très bien joué de la part de Durand là. 35 à 64. Et dès que Le Mans a un point d'avance, Villeurbanne accélère. Pürkiser. Et oui, Pürkiser n'est plus marqué par Oduro là. Marqué par Balzer. Oh, la passe dans le dos à Durand était formidable. Pürkiser, deux de plus bien sûr. Gilles contré par Watson. Pürkiser récupère. Et marque, égalité à nouveau.